Oh yes, here we are in rural France, and the wine starts in the vineyard with the grapes growing. Sunflowers, sunshine, good food. This looks more like it. But this chap, he's after food, it's clear. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu le Tour de France? Effectivement, ils sont passés dans le centre-ville, là, on tournait à gauche, ils ont filé tout droit. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur. Où c'est que va? Cycle past the grapes growing on the vines, and you might find a little cave. Cave Villeneuve. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue ici sur l'exploitation. Ah, merci. Au Broye de Verdé en Charente. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, écoutez, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Oh, et oui. Si vous me le permettez, nous allons faire une petite dégustation. Merci. Santé. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Effectivement, dans notre région, nous produisons aujourd'hui des vins de fête et de qualité. Monsieur, avez-vous vu le Tour de France? Oui, madame. Le Tour de France est passé aujourd'hui, donc. Il se dirige vers La Rochelle actuellement, à 4 ou 5 km d'ici, vers l'océan Atlantique. Super, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, messieurs, dames. C'est merci. Moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Roland Villeneuve has his own vineyard in Verdy, Charente, La France, not so far from La Rochelle. He's testing now for the sugar content of his grapes. The higher the sugar content, the better the wine will be. And here is a bottle of his very best in the cellar, where he brews the wine, stores it in barrels, and then bottles it ready for the market.